d'une souplesse limitée, mais ça passe. Oh, c'est incroyable. Oh, ah bah, il devait être juste au-dessus de nous. Oh, nom de Dieu. Oh, incroyable. Oh, ça, c'est spectaculaire. C'est vraiment une journée d'aventure. Oh, oh, il y a de la vie, là. Ça vient de bouger. Moi, je suis mort, là. Là, en plus, on est sur le dernier spot, c'est... Va-t-on finir en feu d'artifice ? Mes amigos, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle aventure. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Valentin, que vous connaissez. Vous l'avez déjà vu dans la précédente vidéo, on a enquêté dans une maison isolée au milieu de la forêt. Valentin Urbexer, et donc je vous ai décidé de le suivre aujourd'hui sur une journée de check, de spot, de... T'as disparu ? On part visiter des spots, voilà, toute la journée. Et donc Valentin m'a préparé un programme incroyable, donc je pense qu'il y a du... Très sportif, ouais. Il y a du lourd surtout. Il y a du lourd, du très lourd, ouais. Des lieux que tu connais et des lieux que tu connais pas, donc voilà. Ça c'est cool. Et du coup, ben, je vous amène avec moi, je vous amène avec nous les amis. Et là on arrive... Un check, un lieu qui promet d'être incroyable, c'est pas très loin, c'est par là. Bon là on arrive directement sur la baraque au milieu de la végétation. Et ça fait super bizarre d'être de matin tôt comme ça, il est, je sais pas, il est 8h là. 7h, ouais. Pour un urbex, moi j'ai jamais fait un urbex si tôt, mais bon on a un gros programme. Première baraque les amis, truc de fou. Abandonné depuis combien ? 10 ans. 10 ans au moins, ouais. Ça a poussé. Oh, la piscine ! Un arbre sur la bâche. Excellent. Là pour le coup, ah oui, pour enlever la bâche, c'est chaud là. Donc l'eau est toujours dessous sûrement. Ah, ouais. Ah ben oui. Ça c'est rare quand même, une bâche pourrie à ce point là. Bon, vous le voyez les amis, quelquefois en urbex, il faut être équipé. Le seul accès c'est cette fenêtre là-haut. C'est ouvert ? Ouais. Écoute ce bruit. Oh là là, le bruit du spot qui s'ouvre. Ah. Hop. Ah, ça sent le renfermé. Ouais, ça sent le renfermé. Incroyable. Ok, putain, génial. Casse pas la figure. Tu sais, je suis d'une souplesse limitée, mais ça passe toujours. Waouh! Bon, les amis, premier spot de bon matin. Et déjà, première impression, c'est incroyable. Il est fou. Il est trop beau. Qu'est-ce que t'en penses? J'adore le violet là, c'est trop beau. Et c'est plein. Il y a vraiment tout. Comme lorsque les gens sont partis. Par contre, on voit qu'il y a pas mal, les bestioles ont fait leur œuvre là, il y a eu du... Qu'est-ce qui s'est passé là? Ben ça doit être les chauves-souris ou regarde la poutre. Il y a un trou dans la poutre. Ouais, ça a été bouffé, je ne sais pas. Ouais, ça fait tuer en même temps. Oh, la maison est folle, j'adore. Ouais, et... j'ai trop envie de boire. Allez, je te suis. Il y a encore le linge. Je t'avais dit, regarde, c'était sûr. Maison d'anglais. Ah. Qui a un panneau écrit en anglais. Ouais. C'est apparemment une maison que les Anglais, habitaient et qui a été délaissée. Alors est-ce que toujours le problème du Brexit, tout ça. Ils sont partis, ils ont tout laissé. Oh. C'est dingue. Et j'adore. C'est l'ambiance, c'est étrange. Parce qu'on dirait qu'ils sont partis il n'y a pas longtemps. La belle petite tarentule. Oh, elle est grosse. Hein. Quelle horreur. Ah. Putain, le sac de jus. Oh, putain, un billard. Billard énorme. Ah, mais il est gigantesque en plus. C'est plus gros qu'un billard classique, non ça? On a l'impression d'être chez quelqu'un, mis à part le fait qu'il y a de la poussière et des bestioles. Regarde. Propreté. Ah ouais. Oh. On a que des bouquins en anglais, les amis. Ça, c'est confirmé. Il n'y a pas un bouquin français? Non. C'est étonnant d'avoir laissé une maison comme ça. D'être parti, on va laisser toutes les affaires. Ça, c'est le matos de piscine. Ah, ok. Putain, c'est génial. C'est trop beau.
il y a des lits partout. Attends, t'as les minuscules. Ah ouais, vraiment, les passages sont hyper réduits, quoi. Il fallait pas être grand, c'était pour les enfants, ça. Oh. Évidemment, il y a des bestioles qui ont chié partout sur les lits. Je sais pas si vous voyez, les amis. Des petits rats. Il y a des rats, des traces de... Regarde, on voit vraiment qu'elle a été laissée de côté. C'est style soit maison de vacances. Ouais, ouais. Maison de vacances un peu oubliée. Où est-ce qu'on va ici ? Ouais. On va se risquer dans ces recoins. L'avantage d'une maison comme ça, c'est que les sols sont assez sûrs. Ah, il y a eu de la laine de verre bouffée là par terre. Le lit de princesse. Ouais. Il est trop beau le lit. Magnifique. Putain, mais il y a de ces meubles ici. Il devait y avoir des enfants, enfin du monde, je sais pas, c'est étonnant. A... Ça, c'est la suite parentale. Non, il n'y a pas d'affaire. Ah, c'est du VO, le VO, il a gonflé. Ouais. Mais regarde. Ah, oula, il y a un problème au sol là. Ouais, ouais, il y a quelques trous de plancher en dessous de la roquette. Faut faire gaffe, on va. Même là. Il y a encore des pièces ici. Et là, ça... ah, là on redescend d'accord sur le... la, ah, pièce bah, où... oui. La pièce où on a commencé. Ça va le coup ? Bah, pour le coup, ouais, il est un peu neuf, mais... C'est pas délabré. Cela dit, quand on regarde dans les détails, on voit que ça fait un moment que personne n'est là et que les animaux ont fait leur affaire. Regardez déjà dans les coins. Je sais pas si vous dormiriez dans une chambre avec un sol comme ça. On voit que les rongeurs ont fait leur affaire. Premier check, fabuleux. Bon les amis, vous l'avez vu, nous sommes ressortis. Alors on va passer assez vite sur les lieux parce qu'il y en a beaucoup à faire dans la journée. Du coup, bah, on s'éternise pas trop, quoi. Plein de coupes, visites en détail, c'est pas vraiment pour aujourd'hui. Ce qu'on vous propose, c'est vraiment un panel de lieux abandonnés extraordinaires sur la journée, ouais. Dont certains qu'on connaît pas, comme celui-là, donc c'est une découverte à chaque fois et ça c'est cool. Content ? Fatigué, ouais. Content et fatigué. Bonsoir tout le monde, on se rend sur un check qui promet de ouf. Il y a un tout petit grillage, faut pas trop traîner, il y a du voisinage, donc on va essayer de faire vite, de bouger, mais ça, c'est pas mal. C'est pas le lieu le plus tranquille, il y a quelques maisons autour, mais la maison elle est prometteuse. Ouais. Pareil, lieu complètement inconnu, c'est la surprise. Ouais. Infiltration les amis, c'est parti. Fais voir ou pas ? Là, elle est baissée, c'est un gars. Ok. Avec son dormu, là. Il y a un voisin qui est sorti, un papy. Bon, apparemment, ça le fait. Wow, et là, vous avez vu le jardin, les amis ? C'est la folie. Ah là, on est clairement sur une maison plus récente, genre maison des années 70-80. Alors, complètement délaissée, là aussi. Putain, mais c'est pas habité depuis pareil 15-20 ans là. Ouais, une quinzaine d'années je dirais. Toile d'araignée là. Ouais. Je suis pas sûr, on les voit. Mais... On voit que ça a été. Que personne n'est venu depuis un moment. Pas d'électricité. Bon, on n'a toujours pas trouvé d'entrée, mais on ne désespère pas. Et une piscine aussi là-bas. Oh, incroyable. Il y a une espèce de pool house là. Bon, la maison ne veut pas se livrer. Par contre, le pool house nous tend les bras. C'est incroyable. Oh, il y a de la vie là, ça vient de bouger. Les amis, on a une piscine, mais alors abandonnée depuis mes camps. Ah. Oh là là, ah oui, non, mais ça fait un moment là. Oh, incroyable. Waouh. Ah, il y avait un chouette coin là. Petite cuisine d'été.
Waouh, il y a de la vie ici. Ah, il était bien les gens là. Un petit bar ici. Est-ce qu'on s'ouvrirait le frigo? Bon, il n'y a rien. Sauvé. Regardez le sol. Il y a des dalles. L'ancienne terrasse est cachée sous 10 cm d'humus, quoi. Bon, mais les amis, après avoir tourné un bon petit quart d'heure autour de la maison, on n'a rien trouvé d'ouvert. Donc bon. Tout est fermé. On rentre pas. On la laisse de côté. On la laisse de côté. Par contre, l'extérieur, le pool house, la piscine, je ne sais pas si vous avez vu, c'est dans son jus, quoi. Il y a tout. Magique. Et on a trouvé des revues. Ça fait 8 ans seulement que la maison est abandonnée. Moi, j'aurais dit 15 ans. Mais en 8 ans, si vous n'entretenez pas votre jardin, votre piscine, ça va finir comme ça. Donc, les mecs, faut y aller, quoi. Allez à Casto chercher des produits. Bon, les amis, après cette petite déconvenue, plusieurs débats, là, on parlait dans la voiture à Valentin. Déjà, seulement 8 ans et une telle dégradation, c'est fou. Et après, Valentin est convaincu qu'à l'intérieur, c'est plein et qu'il y a tout, quoi. Et que ça peut être formidable. Faut regarder rien que la véranda, déjà, parle d'elle-même. Ouais, et du coup, bon, mais quand même, grosse frustration, hein. Tant pis. Mais heureusement, il y a d'autres lieux. Il y a d'autres lieux. On n'a pas fini la journée. Bon, les amis, on vient de checker un endroit qui promettait quelque chose de fou. Et nouveau fail, la maison a été rachetée. Par rapport aux images. Elle a été rachetée, tendue, réhabilitée, tout ça en moins d'un an. Par rapport aux photos satellites d'il y a un an, la maison est complètement réhabilitée. Donc, évidemment, on va pas rentrer chez les gens pendant qu'ils déjeunent. Donc, on revient à la voiture et place au lieu suivant. Le truc, c'est que ça fait partie de ces journées de check-in. Voilà, c'est ça. Il faut accepter le fail, il faut accepter que les lieux soient fermés. Mais il faut accepter que les lieux soient ouverts et pleins aussi. Oui, il va en falloir, parce que faut attendre. Là, ça fait deux fails d'affilée, ça fait beaucoup. Ouais, t'inquiète, j'ai déjà eu plus. Mais le tout, c'est d'y croire, c'est important. On y croit. Chier, comment une maison pleine qui était belle. Bon, mais les c'était amis. C'était ça. Ouais, regardez. C'était ça, c'était beau. Si vous voyez. Grande piscine, maison, plein d'herbes. Et tout a été tondu. Les gros arbres ont été coupés, mis en tas de bois devant la maison. Il y a un chat, il y a une voiture sur le terrain. C'est bon, donc ça pue. Troisième faille d'affilée, les amis. Nous ne verrons pas cette maison non plus. Bon, ça fait pas. On a dit pas 203. On le disait justement. On va faire un spot sûr, l'histoire se changer les idées. Voilà, là on va clairement sur un lieu que connaît déjà un peu Valentin. Donc là au moins on est sûr. Il est sympa celui-là. Il y a un peu de marche, mais il est sympa. Nouveau lieu les amis, en pleine forêt cette fois-ci, et là on est sûr qu'on va sur un bon spot. La Dacia Rally. Ouais, la Dacia Rally avec la petite trousse de secours là, on sait jamais. En urbex, faut toujours avoir ce qu'il faut. Ouais. Et là le truc, là c'est qu'on est sûr. Oui, on est sûr. Que le lieu est abandonné. Alors, Valentin m'a vendu du rêve, il m'a dit petit manoir, tu vas voir, ça va être sympa. On va voir si ça se vérifie. Je vois un toit là. Ouais, c'est ça. Regardez là, c'est ça. Ça y est. Bon, les amis, c'est parti. Alors, déjà l'entrée. Oh, la piscine, mais elle était profonde, mais grave. Énorme. Waouh. Non, mais elle devait faire 2 mètres. Voire 3 mètres de fond là-bas. Je ne savais pas qu'elle était aussi ronde. Non, mais il y a un bassin là. Ça a été nettoyé, non, là-haut? Bon. C'est pas moi à la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont vraiment éclaté. Ok, là il y en a une porte ouverte. Ah, oh, étoile d'araignée, merci. Waouh! Wow. Ah ouais! Ah, c'est cool! Ah, il y a tout. Wow! Ah, il y a une chauve-souris! Ah ouais? Ils ont cassé des trucs. Ça a été cassé? Ah là, ça a été cassé. Alors Valentin connaît déjà le lieu, est déjà venu et apparemment ça a été visité par des gens mal intentionnés, bien sûr. Bon, en soi ça va, hein, c'est. Mais ouais, ils ont tous les. Ils ont, à mon avis, des gens qui sont venus se servir. Ça a été visité. Ouais. Ouais, voilà. Truc classique. On a quelques photos. Ouais, ils ont Putain, c'est médiéval, ouais. Ouais, c'était dit, c'était médiéval, ouais, c'était déco. Vraiment médiéval. Il y a une âme dans ce truc, c'est incroyable. Voilà, c'est pierre, hein, comme tu aimes.
Ah, moi j'adore les bâtiments comme ça. Et t'es un amateur de paranormal, d'histoire, de... Il y a clairement quelque chose. Oh là là. D'accord. Il y a des bouteilles de pinard partout. Ah bah, ils aimaient le local. Ouais, c'est ça. Ça va donner depuis combien ici, là aussi? Oh là, c'est franchement, je saurais pas dire. Je pense une bonne dizaine d'années. Regarde les murs. On dirait de la neige, tellement que c'est de la moisissure. Ouais. Il y a un étage? Ouais, bien sûr qu'il y a un étage. On monte. Ah, ça, c'est dans cette le bas, du coup. Ça, c'est le bas. Le rez-de-chaussée, il est là-haut. Ah ouais? Ouais. Oh, incroyable. Oh. Ah ouais. Wow, ça a été visité. Oh, ça a été retourné, là. Il y a des gens qui ont fait... Génial. Et des cartouches là. Ça sent le rat. Ça sent le, ouais, le pas bon. Bah, comme, ça sent jamais très bon dans ces lieux. Il y a beaucoup de vieilles photos. Il y a une autre pièce. Oh, j'adore cette baraque. Incroyable. Un piano. Il doit être désaccordé. Pas tant que ça. Non, ça va. Waouh, là il y a du... Ah ouais, ça pousse, hein. C'est la mérule, ça, c'est quoi là-bas? Ah bah, les taches noires, c'est de la mérule, mais alors le reste, c'est d'autres champignons. Ça sent pas bon, ça, pour la charpente, pour tout. Tiens, c'est incroyable. Il y a encore un étage en haut? Ouais, il y a encore un étage. C'est une petite chambre derrière. Vieille salle de bain. C'est fou quand même, ça. Là, il y a eu des enfants, sûrement. C'est une... Je sais pas si c'est une maison qui cueille. Peut-être les petits-enfants qui venaient dormir là. Attention, chauve-souris. Ouais, oh là 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 là. Elle est avec nous là, elle nous suit. Deux. Alors, on les a dérangés un peu, oh les pauvres. Il y en a une troisième au fond en plus. Hein. Ah ouais, c'est là-bas qu'elle niche. Regardez la petite là. Ouais. Bon, ça remue ses petites oreilles, c'est... Ouais, on les a dérangés là. Ouais. On a encore une autre aussi là. Ah ouais, c'est vraiment là, toute la famille là. Et regarde, ah ben voilà, les crottes. Ah bah oui. Ce sont des crottes de chauve-souris. Alors voilà, je crois que le lit sera à refaire. La chauve-souris qui nous accompagne, c'est Glock. Oh là là, ça a été bouffé par quoi là? Bah le temps, là, cet endroit-là, il a pris un peu. Oh, la chauve-souris, mais elle est proche de nous là, c'est... Je veux bien une petite enquête paranormale ici, moi. À l'occasion. Ouais, à l'occasion. Les amis, c'est le genre de lieu où je pourrais revenir, hein, enquêter un soir là, seul. Bien, tu n'avais pas vu, rien de lustre. Le truc mastoc. Alors je filme assez rapidement, les amis. On fait pas une vidéo très esthétique, hein. C'est juste de l'explo pur. Il y a peut-être des lieux qui appelleront de futures vidéos plus contemplatives. Mais là, on est vraiment sur le vif. Hein. Le truc, c'est trouver des lieux, les visiter, les checker. Prendre des photos et puis hop, c'est fait. Voilà. Et là, il y a encore un étage. Bah, je te laisse monter la chambre tout droit ou celle de gauche, de droite, pardon. Oh, c'est la plus jolie. Ouais, très particulière. Ok. Voilà, oh là, mais là il y a de la sciure au sol, c'est dingue, il y a... Ah, c'est très vieux. Oh là, mais c'est vraiment insalubre là. D'accord, ouais. Oh, il y a tout, il y a les raquettes de badminton. C'est la chambre d'un enfant, ça. Les dates des revues. 2007, hein, ça fait quand même 13-14 ans que c'est abandonné à mon avis. Ouais, ça c'est ma chambre préférée. Ah ouais. Ah, mon princesse. Il y avait une statue avant ici, mais elle n'y est plus. Sûrement les passages d'autres gens qui n'ont pas la même passion que nous. Ce genre de lieu, bah, des gens ne les respectent pas vraiment, quoi. Ils passent, ils emportent. Ah, regarde, c'est là. Il y a le socle encore. D'accord. Ah, ça a été... Oh là là, ça a été... Sam, très belle. Et voilà, le pillage. Encore un lieu sympa. Et vraiment une âme ici. Ouais. Moi j'adore. Ouais, et puis. Attends, le plancher quand tu marches, il cracote partout. C'est vraiment une ambiance cette maison. Moi j'aime bien, franchement. Regardez cette épaisseur de poussière au sol. Ouais. Mais c'est dingue. Il y a du ménage à faire. Les amis, regardez-moi ce lavabo. Sincèrement, je sais pas ce que c'est, mais des crottes de. Ah ben voilà. On a les responsables. Oh, c'est incroyable. Oh ah bah, ils devaient être juste au-dessus de nous. Oh, c'est génial. Bon. Oh, et là, bon, les amis, c'est véritablement impressionnant. Ouais, il y a des textes qu'on est sur le passage. Elles sont 4. Elles sont belles. Elles sont 3, 4, 5. Attends, il doit y en avoir
plein au-dessus encore. Incroyable. Là, il y a vraiment un documentaire à faire sur les chauves-souris, quoi. Regardez où elles sont. Attends, essaie de zoomer un petit peu sur la... Alors, j'ai un grand angle, alors c'est chaud pour zoomer sur les petits détails, mais elles sont là-bas. Voilà, tout aligné. Et on retrouve donc beaucoup de déchets dans le lavabo. On vient de se restaurer un petit sandwich dans un coin tranquille. Et là, on est en train de se garer dans un lieu compliqué, avec pas mal de voisinage. Et à une maison, il y a un spot que connaît Valentin. Du coup, maison pas très ancienne, mais qui apparemment vaut le coup. Ouais, petite maisonnette sympatoche. Donc déjà, par la fenêtre de la salle de bain, on s'aperçoit que c'est plein et ça a été un peu fouillé, donc a priori des gens sont déjà venus. Oh le bordel! Ouais, on dirait que tout a été vidé à l'extérieur, c'est marrant. Wow. Toujours cette odeur, je trouve. J'ai vécu là par contre. Waouh, la maison. D'accord. Il y a du bordel, hein. Ouais. Je me demande s'il n'y a pas eu le squat. Il y a encore la vaisselle. Oh ça, je me mais la vaisselle n'a pas été faite. Il y a la, dans la poêle, là, il y a eu des. C'est, plein. C'est des crêpes, mec, ça fait des. Dégueulasse. Donc là, c'est un lieu que découvre Valentin avec moi, donc il y a encore l'huile et tout. C'est des pâtes, regardez les amis. Des nouilles ou des pâtes moisies. Regarde, 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 c'est en dessous l'assiette. Attends, je te laisse soulever, j'ai la lampe. Oh nom de Dieu. Non mais les repas figés, c'est le genre de truc qu'on trouve parfois sur des urbex. Des lieux où les gens sont partis du jour au lendemain en laissant la bouffe, la vaisselle, vous vous rendez compte? Wow. Eh ben dis donc, c'est... on est clairement c'est chez plein. Quelqu'un là. Ouais, là c'est plein de ouf. Il y a des photos. Mais comment ça se fait que ce genre de lieu se retrouve délaissé comme ça du jour au lendemain? C'est l'éternelle question, hein, on le sait qu'on le dit à chaque fois. Comment ça se fait? Ben c'est là. Divorce, décès, on sait pas. Là, vous voyez le Valentin excité qui vient de trouver un spot. Oh, les poupées. Oh, regarde ça. Ah ouais. Oh là là, il y a du potentiel. Là, on est clairement sur une maison pleine avec tous les objets. Bon, ça a été fouillé, il y a apparemment des gens qui sont rentrés, hein, ça toujours. Il y a une canette de 8-6 qui, à mon avis, ne fait pas partie du décor là. Je te dis, ça a été cambriolé. Les gens, ah ouais. Ils ont ouvert tout, ils ont tout foutu sur les lits en bordel pour voir ce qu'ils ont volé. Tu vois la 8-6 là, ça cadre pas avec le reste. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cette maison est comme ça? Tu regardes dans le temps, en plus ça fait pas si longtemps, ça fait moins de 10 ans. On a vraiment clairement l'impression d'être passé après les hyènes là. Nous on vient pas du tout pour ça, mais juste faire des images et couvrir des lieux où la vie s'est arrêtée. Mais j'ai vraiment l'impression d'être chez quelqu'un par moment. Sur des maisons comme ça, c'est presque dérangeant. Alors Valentin est avant tout photographe, donc l'idée c'est de faire des images. Il faut ouvrir la lumière pour prendre des photos. Bon les amis, on est dans le séjour en train de ranger, regardez ce qu'il y a sur la cheminée. On n'avait pas vu, mais il y a une... pas vieille. Hein. Une chouette, ou ouais, on dirait une chouette, une petite chouette effraie, je sais pas exactement l'espèce. On dirait qu'elle est empaillée, or non, elle est... Non, elle est morte. Hein. Elle est morte comme ça. Elle est morte il n'y a pas longtemps. Elle a dû se cogner quelqu'un. Ou alors elle est rentrée, elle n'a pas su sortir, elle est morte... C'est quoi, elle a dû rentrer par la cheminée? C'est le coup classique ça. Les urbex vous réservent toujours des surprises étonnantes. Est-ce qu'on se risque à ouvrir le... Oh! Oh là là, c'est plein le frigo hein! Oh! Oh non, par contre là non. Je te laisse aller voir si ça te plaît. Valentin il aime bien. Oh. Le sachelingue. Oh wow. Non mais c'est clair que... Là ça pue là-dedans. Oh. Il y a des hamburgers... Pardon. Quelle horreur.
Moi, chaque fois, je suis choqué. J'arrête pas à me faire à l'idée qu'on puisse partir comme ça en laissant tout. Tout. Ce que vous ne voyez pas, c'est que ça fait 20 minutes qu'on est là et Valentin range, range, range. L'idée, c'est de recréer la scène, l'endroit, la scène de vie, l'endroit intact tel qu'il était. Tu mets pas de flash, là, tu travailles en lumière naturelle. Ouais. Je fais pause longue. Mais en fait, je mets un peu d'ISO. Et je mets en ouverture 8 et je fais un peu de pause. La boîte aux lettres est pleine, les amis, mais pleine, archi pleine. Ça fait un bout de temps, apparemment une dizaine d'années. On quitte les lieux là, ça fait une dizaine d'années que c'était abandonné. Et là, il y a une grosse maison, regardez, années 50 quoi. Et Valentin est formel. Qu'est-ce qu'il y a? Oh la vache, j'ai ouvert et ça a touché ça. Je pensais que c'était une grosse bestiole qui était là. Oh là là. Ah, c'est pareil, c'est oh là là. Wow. Incroyable, encore une maison pareille, un petit peu moins de bazar que dans l'autre, mais... Oh là, il y a eu des déménagements. Ah ouais? Oula. T'es venu à combien de temps la dernière fois ici? Ouais, ils ont presque tout vidé. Il y avait plein de meubles, le canapé, tout était bien arrangé. Fais gaffe où tu marches. Ouais. Petit escalier de merde. Oh, incroyable. C'est une... Je te flouter la plaque. Mais... C'est une Citroën. Ouais. Oh, tu sais la plaque, je suis même pas... Oh si, t'es référencé. Incroyable! Oh là, elle est magnifique, franchement là. Pff. Oh, sublime! Non mais. Elle est belle, hein? Ouais, je sais pas ce que c'est le modèle, c'est une Citroën. Oh là là, c'est beau! Oh là là là, mais non mais. C'est une merveille, ouais. Là, qui dort dans ce garage, il y a des mecs qui se tueraient pour l'avoir. C'est très discret. Il finira par bouger. C'est le moment qu'elle a pas. Ouais. Elle a pas roulé depuis un moment, elle est toute dégonflée. Ouais. Trouver une merveille comme ça dans un garage. Et là, oh, incroyable, regardez-moi ça. Il y a des vélos qui ont 80 ans, je sais pas, des bouteilles de vin. Oh, incroyable. Putain, Valentin, c'est magnifique ici, tu vois, là j'adore aussi. Les tonneaux, moi je les trouve superbes. Ah ouais, puis là. Comme ça, là, ils sont beaux. T'as les souris qui ont fait leur nid là-dedans. Il y a des flageolets, des cerises de je sais pas quelle année. Faut regarder les dates. Il y a des figues, qu'est-ce que c'est? Il y a de tous les légumes possibles. Entreposés, les amis. Oh là là, il y a de quoi manger. Bon, à mon avis, ça doit être un peu périmé, tu crois pas? Je goûterai pas. Non. Les bouteilles sont pleines, je sais pas de quand date ce vin. Bon, elles ont pris, elles se sont éventées. Tu vois la taille, la gueule des bouchons là. Ah ouais. Oh là là, les râles bouchons. Bon les amis, après ces deux endroits très spéciaux, là j'avoue que c'était cool, la voiture et tout, moi ça m'a vraiment impressionné. Et comme j'ai dit tout à l'heure, une impression un peu dérangeante sur la première maison là, où Valentin a fait quelques shootings. De ce côté, l'impression d'être chez quelqu'un, moi ça m'a un petit peu perturbé, mais voilà, c'est des maisons abandonnées depuis 10 ans qui sont comme ça, déjà visitées par d'autres photographes, d'autres, même des squatteurs, on l'a vu, ça a été squatté, donc bon, c'est abandonné, enfin en tout cas personne ne s'en occupe actuellement. Du coup, on a fini pour ce petit coin là, on bouge, et où est-ce qu'on va ce coup-ci? Il y a même celle-là là. Oh là, il a je suis désolé, il y en a partout. Il est impressionnant. Le coup d'œil de l'urbexer. Non, mais c'est là encore. Non. Il y en a partout. Le portail était fougé. Alors, on est dans un coin. Il y en a partout, c'est terrible. On est dans un coin où il y en a beaucoup. Les amis, nous sommes à nouveau auprès d'un spot. Et celui-là, il est vermoulu. Ah, on voit le portail. J'espère que ça vaut le coup parce que à mon avis on va se griffer. Non mais là. Bon les amis, on renonce par là, c'est trop compliqué, il y a 2 mètres de hauteur de ronce. Du coup il faut qu'on contourne les bâtiments là. On va essayer de passer par l'arrière. Ça a l'air moins touffu. Oh, génial!
Il y a un pont. T'as vu? Waouh! Incroyable! Il y avait une mare ou quelque chose? Un étang. T'as vu le pont? Putain, c'est beau. Je suis passé par un autre chemin que Valentin, mais en fait, il est déjà là-bas. Oh, on se croirait, je sais pas, en Australie. Oh, c'est magnifique. C'est vraiment une journée d'aventure. C'est de l'aventure depuis ce matin, c'est incroyable. On sait pas ce qu'on va trouver. Ouais, c'est moi. Alors, Valentin vient de rentrer. C'est des beaux volumes, c'est un bel endroit, mais... Oh. Est-ce que c'est ce coin? Je suis déçu. Attends, c'est... c'est étrange, c'est quoi ça? Eh, moi je trouve que c'est pas... Enfin, c'est intéressant, c'est... Regardez ça. Par contre, il y a des visseuses assez récentes. Oh, c'est beau là, j'avais pas vu la tête de ça. Oh, ça c'est spectaculaire, t'as vu le truc? Oh. Faut essayer là où il y a des trucs là où j'ai vu. Et quoi? J'essaie de monter, tu veux? Vas-y. Je vais voir si ça se casse pas la gueule. Ah, c'est bon, c'est un bon. C'est à l'ancienne hein, par contre. C'est pas mal. C'est vrai? Ouais, c'est intéressant. Allez voir avec moi en direct. Hop. Il y a une... Et écoute, il y a une chambre. C'est quoi ce bordel? Oh là là, génial. Eh mais viens. C'est intéressant. Il y a une chambre, mais super bien. What the fuck? Oh. What the fuck? Qu'est-ce que c'est que ce lieu? Mais quoi? Comment? Regarde-moi la toile d'araignée. Oh. Et non, mais t'as vu la végétation dehors et tout? C'est étonnant. C'est joli. Bon, il n'y a pas de photo à y faire, mais... C'est clean. C'est la chambre de... Ben, de quelqu'un, je sais pas, un mec qui s'était fait son coin. Là. Bien fait. Petit chauffage et tout. Par contre, ça fait un moment que le mec, il est plus là, quoi. Il y a des produits de beauté. Ah, c'est même peut-être une nana qui vivait là. Polichon ouvert, je sais pas, c'est bizarre. Ouais, ouais, regarde, les... En dessous, il y a une pièce, alors. Petit chausson. Oh, tiens, c'est dingue, il y a vraiment une vie ici. Quelqu'un a vécu là. Et, les amis, prise anglaise. J'ai retrouvé mon truc. Encore ça, c'est à mon avis quelqu'un de britannique qui a vécu ici. Encore? Il n'y a que ça ici. Ouais. Je vais voir parce que si ça, c'est dans cet état-là, ouais. En bas, ça doit être pareil. On va voir. Bon les amis, je cherchais Valentin dans cet espace et en fait, il est passé par la porte dérobée. Bonsoir. Ouais. Une porte. Et alors, qu'est-ce que tu as trouvé? C'est pas fameux, mais c'est une pièce comme ça. Oh. Ok, c'est la cuisine. Eh, ça vaut pas le standing de la piole, hein, moi. Non, c'est vrai que le haut, c'est beaucoup plus joli. Il y a quelque chose, hein, où il est là, tu te dis, ouais, c'est un lieu... C'est bizarre, aussi petit, hein. Tu sais, il y avait plein de corps de grange autour de cette maison-là, puis il n'y a que cette petite partie qui est habitable. Ça fait penser à un appartement de saisonnier. Tu sais, quelqu'un qui aurait travaillé là l'été, ouais. Et... Bon, on va ressortir. Ouais, ouais. C'est intéressant, quand même. Les amis, vous connaissez Indiana Jones quand il décolle des objets pleins de toiles d'araignée? Ah, la visseuse qui n'a pas bougé depuis. Ça fait 10 ans que cette visseuse était posée là. On a roulé quelques kilomètres, on est à nouveau proche d'une maison. Je ne filme pas trop parce qu'il y a pas mal de voisinage. Et là, on ne sait pas du tout. On ne sait pas du tout. Rendez-vous dans quelques secondes pour savoir. Eh bien les amis, nous rentrons à la voiture. L'endroit est totalement vide. Bon les amis, nouveau check. Et vu la tête de Valentin, c'est pas bon. Oh là là, c'est tout vide. Les amis, ça fait 3-4 fails qu'on se fait là. C'est vrai que c'est un peu relou à force. On se dit... Bon, Valentin va rentrer puis on va voir. On va peut-être au moins faire un tour. Bon. Ouais, c'est bien ce que je disais. Oh, c'est beau, mais c'est vide.
encore une fois, c'est un fail. C'est fatigant. C'est très fatigant de tourner tous les jours, toute la journée à chercher des points. Tout est vide, mais t'as un très beau bar. T'as que dalle. Ah, c'est dommage. Ouais. Après, c'est dommage que ce soit pas vendu quand même, une maison comme ça, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que ça attend? Monsieur, un petit verre, s'il vous plaît. J'ai ce qu'il vous faut. Est-ce que vous voulez un jus de crotte de chauve-souris? Oui, avec plaisir. Je vous mets quoi avec? Avec un zeste de citron. Avec un zeste de citron. Il n'y a plus d'eau. Bon, mais on ferme. Ça aurait été court, cette. Alors que nous étions désespérés, on est quand même venu jeter un coup d'œil au garage et regarder ce qu'on voit. Il y a clairement une bestiole qui a creusé de je sais pas où, vers de l'extérieur, ça passe là. Ça passe par là et ça sort, ça vient, il y a une espèce de... Je sais pas si vous voyez, on dirait... Un couloir, une... Putain, mais c'est incroyable. Ou alors c'est quelqu'un qui a creusé, mais... Aussi bien que ça. C'est vraiment étrange. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a des traces de bestioles? Ah, c'est ouvert. J'ai déjà vu ça dans une grange une fois. Un blaireau qui avait fait son terrier. Et les lieux abandonnés, ça peut arriver. Alors ça, c'est quand même incroyable. Il faut aller sur les traces de griffures ou de... Mais là, c'est bizarre. Où ça va, ça? Ah, oh, ouais, clairement. C'est ça? On a un terrier, là. Ouais, ouais, oh putain. C'est vraiment profond. Ben, ça passe sous les fondations, je sais pas, le mec. Le blaireau, il est allé faire son... Ouais, le mec. Il est allé faire son passage, là, je sais pas pourquoi. Oh, attends, clairement. C'est les catacombes. Bon, les amis, c'était la particularité de cette maison. Il y avait un terrier dans le garage. Ça peut arriver dans les lieux abandonnés. Ça fait deux fois que je le vois, moi. Un nouveau lieu. Bon, évidemment. Une fois, c'est dommage. Encore un fail, les amis. Encore un fail. Ça n'en finit plus. Je sais pas combien d'affilée on fait là. On se trouve. Là, on est sur un mauvais mood. Il y a une mauvaise série. Là, on a fait 3 ou 4 d'affilée. Que vraiment, ça va revenir. Ça va revenir. On garde l'espoir. J'ai des gros spots qui arrivent. Donc, c'est. On peut y croire. Il faut y croire. Il nous reste 3 ou 4 spots pour finir la journée. Mais là, franchement, on vient de faire une série. Je sais pas ce que j'aurais retenu au niveau du montage. Mais là, c'est relou. Bon, les amis, est-ce le check ultime? De dehors, ça sent bon. Je sens. C'est par très contre... mignon là, ouais. Derrière là, comme ça. Ça a été nettoyé là. Ouais. Bon, ça c'est pas très bon signe, mais bon, il y a peut-être souvent des voisins qui viennent voir. Il y a apparemment une entrée là, ça a l'air ouvert là aussi. C'est tout petit. Ouais. Ok. Là. Oh, c'est mignon déjà. Alors déjà, un truc, on se disait, on a regardé par la vitre, on a vu que c'était plein dans la petite véranda ici. Donc c'est bon signe pour l'intérieur de la maison. Et regardez comment c'est rentré là. Là c'est pareil, c'est un abandon de 15 ans, 10 ans, ouais, 10 ans. On sait pas, on va voir. Alors, on s'attendait encore à un fail. Et là tu vas voir que c'est le seul endroit, au moment où j'ai pas pris mon sac. Il a même pas pris son sac et son... Que là, ça va être... Voilà. C'est même pas loqué. C'est déstabilisant quand, c'est vous, trop mignon. Quand c'est vous trouvez archi les beau. Ouais. La maison salamandre. Oh. Un peu coincé là. Le bois il est un peu gonflé. Waouh, ça sent hein. Oh, incroyable. Les amis, nous venons de rentrer dans un... Oh là là. Ah ouais. Ah ouais, là c'est quelque chose. Alors là les amis, on vient de rentrer dans un endroit plein. Abandonné depuis. Depuis on sait pas combien de temps. Ah, longtemps. Waouh. Il y a des têtes d'animaux. Oh, c'est magnifique. Oh là là. Wow. Putain, j'ai mon téléphone, j'ai rien pris, je suis sur le noir. Ah, je suis dégoûté. Je vais t'attendre, tu vas aller chercher ton matos. Alors, on voit que ça a été un peu entassé dans les coins, mais waouh. C'est incroyable. La pendule s'est arrêtée à 4h30. On sait pas il y a combien de temps. Ce qui est fou, c'est que c'est voilà, une maison dans son jus, les amis, fermée depuis combien de temps? Peut-être 20 ans, 15 ans, on ne sait pas. Télécathodique. Ah, c'est incroyable. Alors, on discutait avec Valentin, c'est un peu le Graal, quoi, trouver ce genre de lieu. Oh, la cuisine, ça fait longtemps que c'est fermé ici. Le frigo, on l'ouvre. C'est incroyable comment c'est... C'est surchargé, tu vois. Enfin, c'est ce que... Il suffisait d'en parler. Je te disais, petite maison avec plein
plein de bordel au truc, tu sais même plus où. Ouais, c'est ça, plein d'objets. Et ben voilà, quoi. Là, il suffisait de le demander. C'est une maison qui raconte une histoire en fait. Là, il y a vraiment beaucoup d'objets. Et là. Est-ce que c'est là, hein? Ah non, ils ont eu la décence de vider le frigo au moins. Et mais après, c'est. Tout est là. Regarde l'escalier. Tout plein d'objets. Oh. Sur toute la... C'est incroyablement beau. Il y a un chapeau là, regarde. Magnifique. Là, j'ai même pas pris mon chapeau, j'ai rien pris. Je suis venu à poil. Hein. Là, je vous avoue que Valentin, regardez-le, il commençait à être un petit peu démotivé là. Voilà. Il faut dire qu'on a enchaîné 4 ou 5 fails là, on tombait sur des maisons soit fermées, soit vides, soit. Et là, on tombe sur un endroit qui a l'air inviolé en plus, non? Enfin, je sais pas, personne n'est rentré ici. Je sais pas. C'est quoi? C'est une salle de bain? Oh, en recoin, ouais, il y a un lavabo. Un lavabo et de la moquette, mais quelle idée! Oh, quelle horreur! Je vois les éternelles crottes de souris et autres. Quand tu vois l'étoile d'araignée qu'il y a, eh ben. Ça fait un moment que c'est fermé. Hein. On n'a pas fait le haut encore. C'est une jolie petite maison, franchement. Escalier années 80 là. Oh, attends, je vois pas, mais ça a l'air d'être. Oh, c'est incroyable. Oh là là. Oh, le fourbi. Ah, ouais, d'accord, ça a été entassé. Il y a du potentiel. Hein. Un vieux PC, vraiment ça. Ah, ouais, le PC il a 25, ouais, 30 ans. Oh là là, il y a du bordel. Pareil, toi, toutes les chambres, elles sont pas jolies. Non. J'aime pas. Et là, on voit, normalement, ça doit donner au-dessus du séjour, sur ces petites mezzanines. Ouais, d'accord. Waouh. C'était quelqu'un qui a accumulé beaucoup de choses. Oh, Polaroid. Waouh. Des... Oh là là. C'est incroyable. Il y a des objets partout. Ah non, mais là, Ouais, putain. Eh, c'est vraiment. Tu l'as ton check. Oh, c'est beau ça. Oh, oh, le bureau minuscule. Regardez-moi ça, les amis, on est vraiment dans un endroit... Songez que personne n'est venu ici depuis peut-être 20 ou 30 ans, je sais pas. Oh, c'est dingue. C'est magnifique. C'était visiblement une personne diabétique. Et je m'y connais. Reste à savoir depuis combien de temps c'est abandonné. Moi, je dirais entre 5 et 10 ans. Il y a eu du vol un peu, regarde. Il y a eu des gens qui ont fouillé, ouais. Tous les petits babioles qui devaient être déjà... approchés. Bon, les amis, on n'est pas peu fiers d'avoir trouvé ce lieu un peu hors du temps. Là, il y a des centaines de livres derrière moi partout. Toute une vie amassée par une personne ou peut-être deux personnes, je sais pas. C'est pas facile de définir. Toujours un peu troublant comme ça de débarquer. Là où ont vécu des gens, mais c'est aussi également très troublant de voir que ces lieux sont conservés comme ça pendant peut-être 10, 15, 20 ans. C'est pas depuis combien de temps, j'ai pas trouvé de... Je pense que ça fait une quinzaine d'années, facile, ouais, que c'est abandonné. Pourquoi est-ce que personne ne s'en occupe? Je trouve que ça manque aussi de respect pour les objets, les affaires, les vies des gens qui ont vécu là. Alors on peut penser que l'urbex est un manque de respect parce qu'on pénètre chez les gens, mais en fait, moi je le vois plutôt de notre angle. Je me dis que c'est aussi mettre en valeur la vie de ces gens, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils aimaient. Ouais, je suis plutôt peiné qu'on laisse des maisons comme ça. Août 2007. Donc ça fait au moins 14 ans. Non, 15 ans. 15 ans que ce lieu est abandonné. Sortir de la maison, on s'interroge parce que quelqu'un est venu nettoyer, mais il y avait des ronces à sûrement d'une hauteur. La taille du plafond, il y a des marques encore. Ouais, elle devait arriver jusqu'au plafond de la maison. Et regardez, il y en a encore là. Il devait y avoir 2-3 mètres de ronces. Ça correspond, ça fait 15 ans que cette maison était fermée.
C'est incroyable. 15 ans. Elle est tout dedans. Où sont les enfants? Où est la famille? Je sais pas. C'est des gens qui devaient avoir... J'ai vu une petite lettre marquée d'une fille disant pour ma maman, je sais pas quoi. C'est des fois incompréhensible. Bon, après, son histoire de famille, les enfants sont très loin, peut-être à l'étranger, aller savoir, et puis fini comme ça. Dernier lieu de la journée. Et il est temps, parce que je vous avoue que moi, là, je commence à... Fatiguer. Ça fait 12 heures qu'on y est. Je sais pas si vous le percevez à travers la vidéo. Ça fait... On a commencé à 7h du matin, il est 19h du soir. 12h et 12 lieues, à peu près. À peu près, ouais. Alors, peut-être que j'aurais pas... Peut-être, mais... Voilà. Peut-être que j'aurais pas tout gardé pour la vidéo. Vous aurez vu les mieux, les meilleurs moments, mais... Moi, je suis mort, là. Là, en plus, on est sur le dernier spot, c'est... Va-t-on finir en feu d'artifice? Ah là, mais celui-là, il est beau, hein. Mmh. Il est très, très beau. On y va ou quoi? Ouais, vas-y, allez, on perd pas de temps. C'est parti. Eh ben, je fais pas ça tous les jours. Ah, ça fait longtemps que personne est venu, là. Génial. Il y a une ruche. Je sais pas si elles sont... Elles sont actives, les ruches. Les amis, regardez-moi ça, c'est extraordinaire. Il y a un séquoia. J'adore ces arbres. Ce sont des arbres originaires de Californie qui peuvent monter à plusieurs centaines de mètres et je suis... Oh, en admiration. J'adore. Amis, on va tenter quelque chose. Eh les amis, je vous disais, rien que pour cet arbre, ça valait le coup de venir là, n'est-ce pas Valentin? Ouais. T'as la moins excité que moi avec l'arbre, mais moi je suis comme un fou là. Je sais pas combien de mètres il fait, mais... Et il est beau. Extraordinaire. Ça c'est beau. Séquoia géant les amis. Oh, peut-être pas géant, mais... Oh là là, cette souplesse. C'est ça, c'est ça les urbexeurs, regardez-moi ça. Il y a une alarme et en plus c'est fermé, donc on ne rentre pas. Tant pis, on a fait le tour, bon, c'est pas la peine. Cette maison est pourtant abandonnée depuis 15 ou 20 ans, hein, facile. Bon les amis, à l'image de Valentin, on est cramé. On a fini là, alors sur un fail encore, bon, il y avait des alarmes, ouais, c'était fermé, c'était pas... Ça appartient à un apiculteur, ça appartient à un apiculteur, on a fait le tour, on a vu les ruches, on a vu tout son matériel et tout, donc bon, pas touche, on s'en est allé. Donc on finit donc sur cette note un petit peu décevante, mais c'est pas grave. Et des lieux qui sont pas tous accessibles, hein, c'est comme ça l'urbex, hein. On rentre quand on peut, donc là, c'est fermé, on rentre pas. Et en attendant, c'était une journée exceptionnelle, Valentin, je te remercie vraiment de m'avoir accueilli. Ce trip, ce road trip de fou de 12 heures. Bref, merci beaucoup et c'était vraiment cool. On a vu des belles choses. On n'a pas vu que des fails. On a fait deux exclus. Ouais. Deux exclus. C'est pas extraordinaire, mais j'avoue que j'aurais espéré mieux avec le nombre de spots que j'avais sélectionnés pour toi. Ouais. Bon, c'est deux exclus, on se plaint pas. C'est pas grave. Deux exclus, ça veut dire, pour ceux qui connaissent pas le jargon du urbex, deux endroits que personne n'avait fait encore, inconnus. Et voilà, ça, inconnu, ouais. Ça n'a pas de valeur. Dans le milieu du urbex, ça n'a pas de prix. C'est toujours des moments exceptionnels. Les amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous aura transporté dans une grande aventure le temps de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, peut-être pour un prochain rendez-vous avec Valentin, ces quatre. Peut-être. C'était cool. Merci à toi. Allez, on va aller manger un petit bout et rentrer, les amis. Ouais, à très bientôt. Ciao. Je suis content, j'avais plein les jambes là. Ah bah, je suis prêt. C'était quoi? Je vais dormir. Ouais. Un verre de pinard. Et au lit. Un petit caca et au lit. Voilà, c'est ça. Oh putain.